se rendait souvent ici, au fort de Champagne, pour faire commerce. J'irai. Mais, vas-tu comme ça? Je vais présenter le spectacle. Ah, mais attends, c'est moi qui raconte l'histoire. D'ailleurs, je ne sais pas tout. Par exemple, quel était le vrai nom de celui que l'on a appelé Saint-François? Je l'ignore. Eh bien, il s'appelait Giovanni di Pietro Bernardo. Allez, va rejoindre tes amis sur la scène. Et moi, mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire de la naissance de la première crèche et la vie de Saint-François. Adolescent, la nuit, Giovanni Sieri, il fréquentait les tavernes avec une bande qui rassemblait les jeunes gens les plus turbulents et les plus riches. Sa fortune lui attirait beaucoup d'amis, prêts à tous les bons et mauvais coups. Mais à ce moment-là, c'est en compagnie qu'il aimait rire, danser, chanter, mais place à l'histoire. Toi, oui, toi, tu seras mon écuyer. Trop bien pour être écuyer, tu as très généreux. Ah,
pas faire pour la chevalerie. Les prisons de Pérouse ont ruiné ma famille. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous sur le berge. C'est pas seulement la nuit. Thank you.
prêcher la paix et la pénitence. À présent, laissez-moi vous raconter l'histoire de Cléon Fréchon. Cléon Fréchon était âgé de 18 ans et appartenait à l'une des plus grandes familles de l'aristocratie. Elle était noble et très pieuse et avait souvent entendu prêcher. Le dimanche des rameaux de l'année de son nom, sa famille voulant la marier, elle s'enfuit d'un ennemi avec sa cousine Pacifia pour aller rejoindre François. Pacifia, Pacifia, personne n'a rien entendu, tout va bien. Regarde Pacifia, des lumières, et frère François, viens à notre rencontre. Frère François, j'ai renoncé à tous mes biens, comme tu me l'as demandé, mais nous devons nous cacher, mon oncle nous recherche. S'il te plaît, protège-nous contre la colère de notre famille. Soyez les bienvenus, dépouillez-vous de vos richesses et revêtez comme la vie de pauvreté. Et préservé contre toutes sortes de pestes. Ainsi,
Dieu glorifie en tout son serviteur, éprouvé par des miracles évidents, la puissance de ses prières, de sa sainteté.
C'est dans une grotte, une simple grotte, dans un petit renfoncement, creusé dans la roche et gardé d'un peu de paille à la fois, tu déposais un peu. Le Dieu de Marie et de Joseph avait choisi de faire son entrée dans le monde en compagnie d'un arbre, d'un homme et d'une pluie débile. Lui, le Dieu tout-puissant, craint par le peuple de la ville, avait pris la forme de l'enfant, l'être vivant le plus fragile de la création. Dans les environs se trouvaient de pauvres bergers qui marchaient dans les champs par le village pour garder leur vie. L'ange du Seigneur les approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Alors, ils furent saisis en crainte, mais l'ange leur dit : Ne craignez pas, car voici ce que je viens vous annoncer est bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui est né le Sauveur de la vie. Il est le Messie, le Seigneur. Mais vous le trouverez pourtant couché dans une simple mangeoire. Les bergers ne savaient que penser. Se pouvait-il que leur Dieu leur apparaisse sous la forme fragile d'un simple bébé, pauvre et aussi démuni qu'eux-mêmes. Alors, le plus téméraire leur dit : Allons jusqu'à Bethléem pour savoir ce que le Seigneur va nous faire connaître. Et ils se hâtèrent. Ils virent Joseph et Marie, la mère de leur Dieu, qui les accueillit simplement et leur présenta le bébé, blotti dans de simples mangeoires. Thank you.
Coupe du Monde. Qui?